Les moyens de renforcer la coopération triangulaire Maroc-Chine-Afrique ont été au centre d'entretien vendredi à Rabat entre la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Barka Bouaïda et le président de l'Association chinoise de la diplomatie publique et ancien ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Li Xiaoxin. À l'issue de cette entrevue, Madame Bouaïda a indiqué que cette rencontre, qui a été l'occasion de mettre en avant la qualité des relations liant le Maroc et la Chine, a permis d'explorer les perspectives de la coopération triangulaire Maroc-Chine-Afrique à la veille du sommet sino-africain qui se tiendra les 26 et 27 novembre à Marrakech. Ces entretiens ont permis de passer en revue les avancées politiques réalisées par le Royaume du Maroc, a ajouté la ministre déléguée, soulignant qu'elle a saisi cette occasion pour inviter les investisseurs chinois à venir découvrir les opportunités et les atouts qu'offre le Maroc.